J'ai demandé à ma maman si je pouvais faire de l'équitation en colo. Je fais bien du poney, alors j'aime bien. En plus, les animateurs de ceux qui font le poney, ils sont super gentils. Tout le monde est gentil. Au domaine Equiland, à Cassène, géré par la Ligue de l'Enseignement, on est loin des colos chantés par Pierre Perret. Les séjours de vacances d'aujourd'hui répondent au bien-être des enfants et à leur sécurité. Les normes d'encadrement pour un séjour de vacances sont légales de 1 animateur pour 12 enfants. Dans les séjours que nous organisons, nous sommes à des taux d'encadrement selon les âges de 1 animateur pour 8 ou 9 enfants. 83 séjours pour les 4-17 ans en un seul catalogue, c'est ce que propose la Jeunesse au plein air des Landes, confédération réunissant les pupilles de l'enseignement public, la Ligue de l'enseignement et les Francas. À Cassène, sur 10 hectares, la Ligue de l'enseignement organise 14 séjours et accueille jusqu'à 170 enfants et adolescents. S'amuser en apprenant, c'est aussi le credo des séjours vacances. Si on va tourner autour de l'activité équestre, on va vraiment sensibiliser au monde animal, au milieu, aux soins. Il y a du sens, il y a un intérêt pédagogique et éducatif derrière. On ne fait pas l'activité pour la faire. Les vacances, un droit pour tous les enfants. Mais le principal obstacle à l'accès aux loisirs est économique. En mobilisant près de 2 millions d'euros, le conseil départemental fait de l'aide aux organisateurs et aux familles un axe fort de sa politique jeunesse. On a une aide directe aux familles qui permettent de pouvoir en fait avoir une réduction sur le prix du séjour. En fonction du quotient familial, l'aide peut couvrir entre 30 et 85% du prix du séjour. Ainsi, quel que soit le niveau de vie des familles, le conseil départemental offre à chaque jeune landais la possibilité de se construire au contact d'autres jeunes. En 2016, plus d'un millier de séjours de vacances ont été organisés dans les Landes pour 32 000 enfants. Cette mixité permet en fait aux jeunes landais de s'émanciper et c'est vraiment ce que nous portons dans le cadre de nos politiques jeunesse.